Bienvenue sur les internets. Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, c'est l'hiver, la grippe, tout ça, donc bon, voilà. Mais je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Aujourd'hui, je vous parle des Galaxy S24. Samsung a lancé ses trois fleurons pour l'année 2024, le S24, le S24 Plus et le S24 Ultra, donc il respecte parfaitement son calendrier. Il y a donc trois nouveaux modèles, mais la vraie question c'est lequel choisir entre ces trois modèles. Plutôt que de vous faire un comparatif technique, alors bien sûr, je vais revenir sur les caractéristiques un petit peu quand même des trois produits, je me suis dit que ce serait intéressant de savoir quel modèle serait le plus intéressant pour vous en fonction de vos besoins. Alors avant de commencer sur chaque produit, je vais d'abord revenir sur la grosse nouveauté. Ils embarquent tous la nouvelle intelligence artificielle Galaxy AI ou AI si tu veux le faire à la française. Alors tous les modèles disposent d'exactement toutes les mêmes fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc je ne vais pas m'attarder sur toutes ces fonctionnalités. Il y a de la traduction, il y a de la prise de notes, il y a des résumés, il y a un interprète vocal, enfin il y a plein de choses. Donc je ne vais pas revenir sur ça. Pour ça, il y a une autre vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc je vous invite à aller consulter cette vidéo qui entre bien dans le détail sur toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Puisque tous ces produits ont de l'intelligence artificielle, je vais plutôt m'attarder sur les caractéristiques de chaque modèle pour savoir lequel vous correspond le mieux. Et je commence bien sûr par le top du top du top, le nec plus ultra des modèles de Samsung. J'ai nommé le Galaxy S24 Ultra. C'est le plus cher de tous les modèles, il coûte plus de 1 400 €, et forcément il adresse un public aux finances plutôt confortables. Alors, le Galaxy S24 Ultra, c'est avant tout un smartphone qui est gros, qui est imposant, qui est lourd et qu'on manipule quasiment forcément à deux mains. C'est aussi le seul modèle de la gamme qui dispose d'un stylet. C'est un petit héritage du Galaxy Note, hein, évidemment. Donc c'est le modèle le plus recommandé pour les utilisateurs pour qui la productivité est au cœur des usages. Puisque c'est le nec plus ultra, il intègre la puce la plus performante disponible actuellement, le Snapdragon 8 Gen 3. C'est aussi le seul modèle de la gamme qui dispose d'un châssis en titane. Alors bon, le titane, ça a normalement la propriété d'être plus léger et en même temps plus robuste que la plupart des matériaux qu'on utilise d'habitude dans un smartphone. Bon, Samsung ne communique pas sur le poids parce que en fait, ça change rien par rapport à l'aluminium du Galaxy S23 Ultra. Mais par contre, c'est en effet plus solide. En tout cas, c'est ce que dit la science. Donc ce Galaxy S24 Ultra qui est taillé pour la productivité, c'est aussi le modèle le plus recommandé pour le multimédia. Il a le plus grand écran, 6,8 pouces, et il a un affichage QHD+. Mais surtout, c'est le modèle qui dispose du plus beau revêtement anti-reflet. Samsung n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais c'est sans doute le plus gros atout de l'écran de ce S24 Ultra. Il n'y a aucun reflet, même en plein soleil, et c'est vraiment bluffant. Aucun autre smartphone du marché ne propose ça aujourd'hui. Et puis le S24 Ultra, bah, c'est aussi toute la meilleure connectivité avec du Wi-Fi 7, enfin tout ce qui vient avec. Le système de recharge le plus rapide en 45 watts de toute la gamme. Mais ça, il partage avec le S24 Plus, j'y reviendrai après. Enfin bref, c'est le top du top. Et puis c'est surtout le top du top en photographie. Si vous voulez le Galaxy S24 le plus performant en photo, eh bien c'est l'Ultra qu'il vous faut. Il a d'abord un capteur principal qui est légèrement plus performant que celui des S24 et S24+, parce qu'il a un objectif avec une ouverture plus grande, donc il capte plus de lumière, donc le rendu de l'image est plus propre, surtout de nuit. Et puis il a surtout un téléobjectif supplémentaire, donc c'est un téléobjectif qui est capable de faire un zoom x5, avec en plus un capteur de 50 mégapixels, donc par rapport au S23 Ultra où il y avait un x10, mais du 10 mégapixels, en fait on perd théoriquement en distance, mais en fait au niveau de l'usage, le zoom x5 avec un capteur de 50 mégapixels, mais en fait ça donne des résultats qui sont encore meilleurs que le S23 Ultra l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que le S24 Ultra, eh bien, il est meilleur dans à peu près toutes les conditions par rapport au reste du marché. C'est toujours la référence, en attendant bien sûr l'iPhone 16 et puis les prochains pixels, mais pour l'instant c'est la référence à tous les niveaux, hein. Et il se distingue particulièrement sur les photos à distance, grâce à ces deux téléobjectifs, le x3 et le x5. Et il se distingue aussi sur les portraits. Dans cet exercice, le S24 Ultra, eh bien, il surclasse tous ses concurrents. Donc voilà, si je résume, le S24 Ultra, il est fait évidemment pour les consommateurs
qui ont des finances plus confortables, ils coûtent plus de 1400 euros, donc c'est à peu près la même cible que l'iPhone 15 Pro Max. Pour les utilisateurs qui recherchent un modèle de productivité, le meilleur en photo, et bien sûr un smartphone qui a une excellente autonomie, c'est aussi l'un des modèles les plus endurants de toute la gamme. Alors évidemment, 1400 euros, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que Samsung propose aussi le S24 et le S24 Plus, qui techniquement partagent plus ou moins la même fiche technique, à quelques petites exceptions près. Alors si je commence par les points communs, ils partagent déjà la même puce, c'est une Exynos 2400 qui est moins performante que la Snapdragon 8 Gen 3 du Galaxy S24 Ultra. Ils partagent aussi la même connectivité, le même matériel photographique et la même technologie d'écran. Les matériaux sont aussi les mêmes, les coloris sont aussi les mêmes. En fait, les S24 et S24 Plus, ils vont surtout se distinguer sur la taille et sur quelques petits points techniques. Il y a d'abord la charge, le S24, il doit se contenter de 25 watts, le S24 Plus, il est à 45 watts. La définition de l'écran du S24, elle est en Full HD, et la définition du S24 Plus, elle est en QHD. Et puis, puisqu'il y a une différence de taille, l'écran du S24, c'est du 6,2 pouces, le S24 Plus, du 6,7 pouces, et la taille de la batterie change aussi, 4000 mAh pour le S24 et 4900 pour le S24 Plus. Alors concrètement, à l'usage, qu'est-ce que ça change tout ça? Bien, le S24, c'est clairement le modèle qui est fait pour les utilisateurs qui aiment utiliser un smartphone à une main. C'est le plus compact, mais puisqu'il est petit, eh bien, c'est aussi le moins endurant. Sa batterie est moins performante, la charge est plus lente. Donc, si vous cherchez un smartphone endurant, c'est pas forcément le modèle que vous allez préférer. Le S24 Plus, lui, c'est la version, on va dire, un petit peu plus light du S24 Ultra, avec une optique en moins, avec un stylet qui n'est plus présent, mais qui, pour le grand public, peut avoir du sens parce que c'est le modèle grand public de grande taille. Mais comme le S24 Ultra, il est plus lourd et il faut le manipuler à deux mains. Donc le S24, c'est aussi le modèle le moins cher, et le S24 Plus, il se situe entre les deux, quoi. Alors voilà, après ces comparatifs de caractéristiques techniques qui peuvent aussi faire un peu mal au crâne, l'idée c'est quand même de vous dire quel modèle répond à quel besoin pour mieux vous orienter. Donc le S24, c'est pour moi le modèle le plus grand public, c'est le plus accessible, il est proposé à partir de 899 euros. Pour ce prix, forcément, il faut faire quelques compromis. Donc, on a un écran qui est le plus petit, mais si vous êtes amateur de smartphones plus compacts et d'utilisation à une main, ce qui est mon cas, le Galaxy S24, il est vraiment top. Il est performant, il fait des super photos. Il a, c'est pas le plus endurant, mais son autonomie est très correcte. En dehors de sa charge un peu lente, il n'y a pas vraiment grand chose à lui reprocher. Franchement, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix de toute la gamme S24 cette année. C'est incontestable. En plus, il y a une baisse de prix par rapport à l'année dernière. Le S23, donc c'est bon à prendre. Le S24 Plus, lui, il est entre le S24 et le S24 Ultra. Il est proposé à un petit peu plus de 1100 euros, donc c'est quand même déjà un budget, mais il est aussi plus grand, il a un petit peu de caractéristiques techniques qui sont plus intéressantes, comme la charge de 45 watts qui est plus rapide, comme l'écran qui est QHD et pas Full HD. Ceci dit, un écran Full HD sur un écran plus petit, c'est tout à fait acceptable. On va dire que le S24 Plus, c'est le bon compromis. Il a un prix au-dessus des 1000 euros, mais pas non plus qui s'envole au-dessus des 1400. Et surtout, il va répondre à un public qui a un budget qui n'est pas extensible à l'infini, mais qui est quand même confortable et qui va permettre de profiter d'une expérience multimédia plus confortable grâce au grand écran de 6,7 pouces, d'avoir un produit qui est performant, endurant, et avec une charge rapide. Donc si tous ces critères sont importants pour vous, le S24 Plus est plus recommandable que le S24, qui est un modèle petit, donc sur lequel l'expérience multimédia est un peu moins intéressante, quoi. Et puis enfin, le S24 Ultra, ça c'est le Nec Plus Ultra, il y a tout, Samsung a tout mis, tout ce qu'il savait faire de mieux, c'est même la référence actuelle du smartphone. En améliorant par petites touches la recette du S23 Ultra, Samsung a réussi à livrer un smartphone qui est vraiment exceptionnel, et on n'a quasiment rien à lui reprocher, si ce n'est que le chargeur de 45 watts n'est pas fourni, quoi. Mais c'est vraiment du point de détail. Donc le S24 Ultra, puisque c'est le top du top, c'est aussi le plus cher. Il coûte 1469 euros. Il est en légère augmentation par rapport à l'année dernière, en tout cas sur la version de base. Les autres versions, elles coûtent moins cher de 10 euros. Voilà, pour la productivité, pour le multimédia, pour la photographie, pour la vidéo, le S24 Ultra, c'est le top du top. Mais si vous n'avez pas besoin non plus d'un outil professionnel qui va au bout de tout dans tous les usages, c'est pas forcément celui qu'on recommande.
il vaut mieux se tourner vers S24 ou S24+, et faire quelques économies, et puis s'acheter peut-être un accessoire à côté, des écouteurs ou un truc comme ça. Et puis pour conclure, même si cette vidéo elle est consacrée au S24, il me semble important quand même de parler des S23, parce que bon, la durée de vie d'une gamme, c'est pas un an. Hein. Toutes les marques nous parlent d'écologie, mais elles sortent quand même 3 téléphones tous les ans. Donc d'un point de vue écologique, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc le S23, le S23 Plus et le S23 Ultra sont encore disponibles. Et l'avantage des smartphones Samsung et Android en général, c'est qu'après la sortie d'une nouvelle génération, et ben, les prix, ils décotent fortement. Donc ils baissent beaucoup. Les S23, S23 Plus et S23 Ultra sont, à l'heure où on tourne cette vidéo, disponibles à des prix très attractifs. Et d'un point de vue technique, ils répondent parfaitement aux besoins des S24, S24 Plus et S24 Ultra. Et vous allez me dire, bah oui, mais les S24, ils ont Galaxy AI et c'est ça la nouveauté qui fait toute la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que Samsung a déployé aussi Galaxy AI sur toute la gamme S23, ainsi que d'autres modèles, sur les Galaxy A par exemple, certains modèles. Mais en tout cas, les S23 en disposent tous, donc toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle sont aussi disponibles sur les S23, ce qui rend vraiment cette génération hyper intéressante si vous avez un budget plus limité. La seule différence notable, c'est que les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra ont un suivi des mises à jour de 4 à 5 ans, alors que la nouvelle génération va pouvoir recevoir toutes les mises à jour majeures et de sécurité pendant 7 ans. Ce qui fait qu'on paye plus cher pour les S24, mais on va aussi les garder plus longtemps. Donc à vous de voir si vous préférez renouveler vos S23 d'ici 4 ou 5 ans, ou si vous préférez mettre un petit peu plus et vous orienter vers la gamme S24 et la garder jusqu'à 7 ans. Ça dépend de votre démarche à vous, de vos besoins, de votre budget. Voilà, cette vidéo sur les Galaxy S24 est terminée. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous permettent d'y voir un petit peu plus clair sur les avantages et les défauts de chaque modèle et que ça va vous aider à vous orienter vers le modèle qui vous convient le mieux. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Presse Citron. On ne parlera plus des Galaxy S24. Si vous voulez recevoir une notification dès que la prochaine vidéo est disponible, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, enfin, vous savez, comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, c'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao. Ah.